Bonsoir ou bonjour. Nous sommes à Salon de Provence. Je suis Marco et j'avais envie de vous faire une carte spéciale pour ce 1er mai 2006. Voilà, avec quelques évocations, plus peut-être sociologiques ou par rapport à la psychologie un peu plus historique, ou même éventuellement plus ou davantage philosophique. L'art, aujourd'hui, tel qu'on le conçoit, peut-être en Occident, demande peut-être à avoir sur son être un peu de net. Il est vrai que l'art et le spectacle sont peut-être trop flous aujourd'hui en Occident, hélas. Il est vrai que la limite entre la réalité et le monde du spectacle demande à être un peu plus précisée. Il est vrai que sur une scène de théâtre, dans un endroit théâtral, un espace réservé à la création entre guillemets, cela est différent du monde de la réalité. C'est peut-être simple à dire, mais c'est important aujourd'hui, lorsque la télévision ne fait plus de limite entre le spectacle et la réalité. Il est vrai qu'on peut voir un documentaire sur la guerre, et les jeunes d'aujourd'hui disent peut-être que c'est du spectacle. Aussi bien qu'on voit un film de guerre, et qu'on dit « Oh, c'est peut-être la réalité et l'illusion, l'imaginaire faisant le reste. » Il est important de faire une limite. La délimitation, éventuellement au théâtre, peut être la lumière. La lumière qui met en valeur ce qu'on souhaite approcher. Il est vrai que dans un art dansé, par exemple, technique de danse contemporaine Graham, la contraction et le release peuvent avoir une approche un peu théâtrale par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Le contract est plus une inspiration, tandis que le release, le relâcher, est peut-être plus une expiration, mais cela a une valeur de technicité, de technique, parce que le corps du danseur le nécessite. Lorsqu'on fait un relâcher, peut-être un Graham, c'est peut-être important de ne pas partir et de ne pas déstructurer son dos, entre guillemets, mais le tenir droit grâce à l'expiration, alors qu'on aurait l'impression que c'est une inspiration. Mais cela fait partie du monde de l'illusion, et le monde de l'illusion a ses devoirs techniques. Bon, l'important dans la technique, bien entendu, par rapport à l'inspiration, c'est d'être là une valeur sûre, d'être un refuge sûr, ou s'il manque un jour l'inspiration, trois fois hélas, il reste la technique et le spectacle peut continuer. Voilà, mais c'est vrai que le monde de la réalité et le monde du spectacle, il est important d'y mettre sur le flou, le net. En Occident, la place de l'écrit est importante. C'est vrai que dans le monde, la place pourtant de l'oral est beaucoup plus importante. La transmission de la culture par l'oral, aussi bien chez les aborigènes d'Australie par exemple, que chez des peuplades d'Afrique, par exemple, aussi, est importante. On transmet le savoir par l'oral, par la voix humaine. Comment cela se fait-il, entre guillemets? Pourquoi ne pas avoir utilisé un autre processus de symbolisation, écrit, pourquoi pas? Pourquoi avoir continué à cultiver cet oral? C'est vrai que quand on commence à apprendre, ou quand on nous souhaite nous initier à l'apprentissage de la culture, par exemple dans une maternelle ou un groupe préparatoire, la
parole est importante. Cela a été plus l'affaire souvent des maîtresses, un peu plus récemment par des maîtres, mais c'est vrai que le côté émotionnel et sentimental de la personnalité de la personne qui transmet le savoir est une des phases très importantes de l'apprentissage des choses. La façon dont s'exprime la personne par rapport à l'enfant lui fait aimer la culture, lui fait aimer apprendre. Apprendre à apprendre est une chose bien plus que pédagogique, une leçon de vie. L'oral est une façon de voir le monde et une façon de dire la vie, de transmettre des savoirs avec un vécu en interaction avec le présent. C'est-à-dire que l'enfant, à tout moment, peut poser une question, peut éventuellement exprimer une impression, une sensation, un sentiment, une évocation, et à ce moment-là, la maîtresse ou le maître doit être à même et être formé, ce qui n'est pas toujours le cas, hélas, on peut bien le dire dans notre civilisation occidentale, puisque cela n'existe pas, hélas, d'être formé à l'attente de l'enfant. L'oral a la particularité heureuse d'être dans le monde présent, ce trait d'union qui unit la culture d'un passé au présent, voire éventuellement à un projet d'avenir par la formulation d'une question ou d'un intérêt éventuellement qui intéresse l'enfant.